faut que je me barre de cette planète. T'achètes ou tu te tires aussi sec? Putain! T'as vraiment payé pour cette merde? Merci beaucoup. Faut que j'aille faire pipi. Clap-trap, Nico, ouais. Je respecte votre opinion. Je suis l'incinérateur Clayton. Et toi, tu as pénétré dans l'antre du faucon ardent et tu en as réchappé. Pour servir notre mère à tous, tu vas devoir subir une épreuve. Utilise une arme incendiaire sur mes frères afin de les envoyer dans les flammes éternelles. Puis récupère leurs cendres et rapporte-les-moi. Brûler vif des gens ? C'est plutôt douteux, mais c'est bien ce qu'ils réclament. Ils sont pas nets. Mais bon, fais ce qu'on te demande.
jeune torche. Je sens que le faucon ardent rayonne sur nous. Viens me livrer les cendres. Ces enfants connaissent une extase dont je ne peux que rêver. Merci, Torche. Repasse me voir pour les épreuves suivantes. Ça y est, tu es des leurs. Avertis-moi s'ils préparent quoi que ce soit de dangereux. À part se brûler vif entre eux. Triste nouvelle, Torche. Des idolâtres sont parmi nous. Des enfants qui ont trahi leur seule vraie mère, le faucon ardent. Ils adorent un demi-dieu païen du nom impie de brûlure. Je t'implore de détruire cet imposteur et tous ses disciples! On s'en fiche s'il trouve quelqu'un d'autre à adorer. Écoute, joue le jeu. Clayton doit avoir toute confiance en toi. C'est notre seule chance d'apprendre s'il projette quelque chose que nous devons empêcher. Je sens le sourire du faucon ardent qui nous illumine. Toi aussi, jeune torche. C'est un drôle de culte. Mais je dois avouer que j'ai trouvé plutôt flatteur que tu sois trop dieu pour moi. Oh, je suis trop narcissique. Ah! 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 Ah!
gens sont dingues, mais on ne les a vus faire de mal qu'à eux-mêmes et à ce brûlure. On peut peut-être les laisser vivre en paix. Le grand embrassement est proche, Torche. Mais le faucon ardent m'a parlé dans mes rêves et a demandé un autre sacrifice. Mais c'est même pas vrai. Que son fils préféré soit brûlé vif, le nabot du nom d'Allumette. À toi de le conduire jusqu'au Soaring Dragon dans le Southern Shelf et de le projeter dans les mâchoires de cette grande bête mécanique. Je veux voir la flamme! Je veux rejoindre le faucon ardent! Allumette est notre frère le plus fervent. Il a immolé plus d'une centaine de personnes au nom du faucon ardent avec pour seuls instruments un vulgaire pistolet incendiaire et la force de sa foi. 100 personnes? Ok, c'est impressionnant. Enfin, c'était tous des adorateurs de ce culte, pas vrai? Pas vrai? As-tu jamais quelqu'un qui est maudit? Tu ne sais plus quoi faire de ton argent? Que ça te protège dans tes voyages. Je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Give
tarés veulent passer leur temps à se brûler les uns les autres, on devrait peut-être leur foutre la paix. Ce serait pas plus mal. Arrive ! L'heure approche ! Nous serons ensemble pour voir ça ! Enfin ! Nous trouvons ça ! Va jusqu'aux commandes de l'incinérateur et fais ce qu'il réclame après tout. Merci, Torche. Nous rejoindrons bientôt Allumette. Le grand embrasement approche. C'est quoi encore? C'est l'heure du grand embrasement, jeune Torche. Nous allons sacrifier les païens à notre mère incandescente. À merveille, Torche. Après le grand embrassement, nous reposerons tous contre la poitrine chaleureuse du faucon ardent. Les préparatifs sont terminés. Reviens me voir et que commence le sacrifice humain! Ok, ça craint carrément, ce truc. Va à ce grand embrasement. Si ça dépasse les bornes, je ferai une apparition. Fais gaffe. Oh!
Oh, je veux pas mourir. C'est bon. Attention les yeux, je fais mon entrée. Votre VS est arrivé. Il est très déçu. Chasseur de l'Arche, je vais ramener ces civils innocents à Sanctuary. Moi, bon, c'est moi. Punir ce tocard. C'est une impétuité. Maître-toi. Sanctuary, tu as super bien géré cette histoire de culte. Oh, je te jure, être une divinité, ça craint. Oh, on vous doit la vie, chasseur de l'Arche. Oui, vénérez le chasseur de l'Arche. Vénérez le chasseur de l'Arche. Oups. Reviens. Reviens me voir. Tu as déjà simulé ta propre mort ? Pas facile. Je l'ai fait il y a 2 ans pour semer les tueurs d'Hyperion, mais apparemment, un bandit m'a espionné tout ce temps. Et il compte tout dire à Hyperion, sauf si tu l'élimines avant. Bienvenue à la clinique portable du Dr. Z. Que puis-je pour vous ? Thank you.
chose? Regarde. Monsieur Paul, chez Hyperion, nous sommes sceptiques. La mort de la hors-la-loi Lilith a été confirmée après la libération de New Haven. Nous devons donc écouter vos enregistrements avant de procéder au paiement. Laissez ces messages Echo dans les endroits mentionnés ci-après. Trouve ces Echo. Si Hyperion découvre que je suis en vie et avec les pillards écarlates, il risque de nous refaire le coup de New Haven. J'adore cet endroit. Hyperion t'y retrouvera jamais. Merci. J'ai essayé de le rendre aussi... Lec possible? J'allais dire ravissant. T'as attaché des cadavres carbonisés de bandits autour de l'entrée. Certains cadavres sont ravissants. J'adorais notre maison à New Haven. Il faut que j'y aille. Bien joué. Qu'est-ce qui est si urgent? J'ai... liquéfié un type. On redit ça. Je chassais, et j'ai trouvé un peu de cet iridium machin chose. Et un de ses adorateurs dégénérés m'a vu. Alors je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé, et il s'est... liquéfié? C'était... incroyable. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ouverture de l'arche, ou parce que je suis une sirène, ou les deux, mais j'adore cet iridium. T'as l'air un peu pâle. Ouais, je me suis évanouie plusieurs fois. Mais ça pourrait tout changer. Ok, mais pourquoi tu m'as pas juste envoyé un écho? Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici en prenant le risque qu'Hyperion découvre que je travaille encore avec les pillards écarlates? Parce que tu... Comment tu vas? Je m'en vais. Ok. Je suis un peu débordée à faire la guerre toute seule contre tous les bandits de la ville. Pour que toi, tu
tu puisses te concentrer sur Jack. Mais tu sais, je peux aussi laisser tomber mon truc du faucon ardent et sans pitié prendre le sanctuaire. Non, raison, bien sûr. Tu es sûr? Je peux te faire un chocolat chaud. On parlera des gars. Je repasse quand je retrouve si je sors de là. Désolé. Il faut savoir se faire désirer. C'est dans la poche. C'est intéressant comme sensation. Des incultes, oui. Merci. Moins Hyperion en sait sur moi, mieux c'est. Tu n'as pas écouté ces échos, j'espère. Hein ?